tout à l'heure ce soir. C'est super, merci. C'est moi qui est en retard. So, welcome everyone. Bonsoir. I'm Christy Spence. I'm the director of Gatineau Park and the Quebec Urban Lands. And welcome to the Urbanism Land tonight. Donc, bienvenue. A little business before we start. It's, you know, the store your equipment in the overhead compartments. And there's two emergency exits, one that way, one that way. The washrooms, if you go out this door on the left, sorry, you turn right. When you come out, yes, and left, you'll see the washrooms there. And if you somehow miss the cookies and the coffee, they're at the back. So please feel free, or else I have to eat them all after. It's awkward. J'ai aussi l'honneur ce soir de faire les mots d'introduction à la place de M. Nussbaum, notre premier dirigeant. Donc, hello, bonjour, kwe kakina. I'd like to begin my remarks this evening by recognizing that we are today on the traditional territory of the Algonquin Nation. Welcome to the National Capital Commission's Urbanism Lab, and also welcome to anyone who might be watching on the live stream. I understand we have the Friends of Gatineau Park in the room tonight. Do we still? Yay! Welcome. Thank you. Vous êtes les bienvenus et merci pour votre appui à la recherche scientifique dans le parc. As chief steward of federal lands in Canada's capital region, the NCC is also proud to support the research carried out by our own scientists, as well as our partners at various post-secondary institutions, museums, NGOs, and government agencies. Research like the groundbreaking assessment of the value of the region's natural capital, like the globally important climate studies being carried out at Mirebleu, comme la surveillance de la vitalité d'espèces telles que le papillon monarque, une espèce en péril. Dans ce cas-ci, il est même question de la restauration d'un habitat. Et comme le travail que font en ce moment nos invités de ce soir et dont ils nous parleront tout à l'heure. In fact, the NCC awards about 60 research permits every year for research on NCC lands. The diverse ecosystems found on these lands, as well as their proximity to the urban core and major research institutions, make Canada's capital a hotspot for research, attracting scientists from around the world. Their work increases our knowledge of the natural world and our place in it. And this, in turn, leads to better, more informed, and evidence-based policymaking, which is the foundation of effective long-term planning. And as you know, planning and stewardship are at the heart of the NCC's mandate. So supporting the science is really fundamental to our role in the capital region. As I mentioned, we're pleased to have some special guests here tonight to discuss their research. The first will be Vincent Faisson, who's currently pursuing his master's in biology at the University of Ottawa. Tonight, he'll share with us the results of his thesis project, which is focused on the endangered Blanding's turtle. This research began in 2018 with the support of the NCC, and Vincent has worked closely with the staff of the Greenbelt. Sylvain Delagrange is a professor at the Université de Québec en Outaouais, where he teaches ecology. His expertise is silviculture, and tonight he'll talk to us about the Capital Nature Project, which he launched in 2014. This project highlights the importance of forests to our communities by helping us understand the ecosystem services they provide. Le projet Capital Nature compte sur un réseau de placettes répartis dans l'Outaouais, dont le tiers sont sur des terrains gérés par la CCN. Et dernièrement, mais pas le moindre, Caroline Gagné is the Director of Programs for Western Quebec at the Nature Conservancy of Canada, where she's responsible for stewardship activities in the Outaouais and in the Laurentians. She coordinates species at risk projects, identifies conservation priorities, coordinates land acquisition, and manages protected natural areas, among other responsibilities. Madame Gagné fait aussi partie des équipes de rétablissement de la Renette et de Tortue de Québec, et elle est membre du groupe provincial de mise en œuvre pour le rétablissement des tortues mouchetées et musquées. Au fil des années, elle a coordonné divers projets sur des terrains gérés par la CCN, où elle y a participé, par exemple ceux de recensement des tortues mouchetées dans le parc de la Gatineau et de l'inventaire acoustique du champ des Renettes. So thank you all. Merci, Miigwech, for joining us. Now let's get on with the presentations. First, we have Vincent. Thank you. Voilà.
Okay, so hi everybody, and thank you all for having me this evening. I'm going to talk to you a bit about my master's research on Blandings turtle and how landscape composition affects Blandings turtle occupancy in wetlands. And for this, I've used environmental DNA as a survey methodology, so I'm going to cover that a little bit as well. Like I said, most of my research has been, or the field work has been carried out on NCC's Greenbelt, and I've worked closely with Greenbelt employees to do the field work. So I know they're going to look forward to seeing some of the results, and we're going to, they'll be excited to see what I have to present. So first I'm going to introduce my study species, which is the Blandings turtle. The Blandings turtle is a semi-aquatic freshwater turtle. Oh, these are old slides, but that is okay. I'm going to go with it anyways. So this Blandings turtle is a semi-aquatic freshwater turtle found throughout eastern North America, from the U.S. Midwest states east through to southeastern Ontario and western Quebec. As you can see, this turtle is easily distinguished by its bright yellow throat, striking yellow throat, as well as its dome shell. And for those who haven't seen one, it's roughly halfway in size between a painted turtle and a snapping turtle. So let's just go on here. They have a preference for heavily vegetated wetlands, such as ponds, swamps, marshes, etc., where they feed on insects, fish, and pretty much anything else they can find. They're omnivorous, so they'll eat plant matter and insect larvae. And they can actually be found in wetlands covering a wide range of sizes. I found what Blandings turtle in wetlands in Ottawa, hundreds of hectares large, down to tiny little ponds. It's actually quite remarkable just how small the ponds can be that the wetlands can live in. So for example, these five Blandings turtle I found in a pond that was smaller than this room in the west end of Ottawa, and it's actually quite remarkable. But these five Blandings turtle won't necessarily be in this pond all summer, as Blandings turtle are a highly mobile species, and they travel great distances in order to travel between wetlands or to find nesting spots. Some tagged individuals in nesting season have been found to travel more than 6 kilometers, presumably to find good spots to lay their eggs. This is an impressive distance for a reptile. But while they may be abundant in certain localized areas, like this pond here, their population as a whole isn't doing that well, and their population is quite low in numbers. Some estimates have put their losses at more than 60% of their population over roughly the past century. So, I guess if we go back to our range map, the portion of their population in southeastern Ontario and western Quebec, which is called the Great Lakes St. Lawrence population, it's estimated to have a population of less than 10,000 individuals. And due to this low population and their losses, it's listed as an endangered species federally. It's actually listed in most of the jurisdictions in which it's found as a species at risk. So if we look back at our five friends, which, well, they're gone now, but it just goes to show how just one small pond is not at all insignificant for the population of Blandings turtle as a whole. So what are the reasons why Blandings turtle have lost their population? Why are they doing so poorly? Well, the main risks to Blandings turtle are habitat loss and roe mortality, with other threats such as illegal collection for the pet trade and nest predation also playing in heavily. Habitat loss is probably the largest threat to Blandings turtle, with humans having drastically changed the landscapes which they live, and farming and agricultural and infrastructure having displaced vast areas of wetland and forest. It's estimated that about 3/4 of the wetlands in southern Ontario have been lost since European arrival to the area. And of course, these wetlands aren't just detrimental to Blandings turtle, but they're detrimental to all the species that make use of this habitat. Of the 7 other species that are found in Ontario of turtle, or a freshwater turtle, all now are listed as at risk federally, with even the painted turtle, which is the most ubiquitous and abundant of these species, recently being listed as special concern. So this turtle here, I mean, as with other reptiles, roe mortality also plays highly into the risks for this turtle. So this turtle here, you can see in this picture, I found just west of Ottawa, and it was laying eggs on the side of a busy road. And this was a surprising 250 meters away from the nearest wetland. So if this nest is a successful nest, this newly hatched young certainly won't be happy with mum. But it was actually nice seeing a living turtle on the side of a road, as most of the Blandings turtle I found over the last couple summers on roads had been hit and killed by vehicles. And
this just goes to show how landscape features like this road have direct effects on Blanding's turtle populations, as well as indirect effects like facilitating illegal collection or changing water regimes in wetlands. So this leads to my research question of why does landscape composition affect Blanding's turtle occupancy in wetlands? So in other words, does the landscape composition in areas surrounding a wetland affect whether that wetland is occupied by Blanding's turtle? So in order to answer this question, first I need to survey wetlands to determine whether they are occupied by Blanding's turtles. And for this I used environmental DNA surveying, and I'll cover that in a minute. Next, I need to gather landscape composition data, and then finally create models to determine whether the landscape composition data has an effect on Blanding's turtle occupancy. So, let's cover first, what is environmental DNA? Well, simply put, environmental DNA is just the DNA from an organism that's been shed into the environment. So if we take this turtle here, it's shedding skin cells or fecal matter or anything else that contains its DNA into the water. Then the premise of environmental DNA surveying is that this DNA in the water can then be sampled and analyzed to see whether a specific species is present. In my case, I'm surveying for Blanding's turtle. By sampling the water, then if a Blanding's turtle is present, those water samples will be collected and there should be the DNA of Blanding's turtle present. So the next step to environmental DNA surveying is the analysis of the samples. So first the samples are then filtered out, and then the DNA is collected, and through a process known as polymerase chain reaction is amplified until there's enough DNA in the sample to be able to measure it. This tells us whether the turtles are present or not. If the turtles are not present in that sample, there's none of their DNA in that sample, then nothing will be amplified and we know that they're not present in that wetland. So, while this has recently become a more popular method for surveying in recent years, it actually dates back to the late 1980s, where it was initially used to extract microbial DNA from sediments, and is primarily used in aquatic systems, but also has recently been used in order to survey for terrestrial plants by filtering out plant matter out of the air, such as pollen or anything else. And what's really nice is that since finding an organism is not actually necessary to confirm whether they're present in a wetland, eDNA is particularly useful in surveying for rare and imperiled organisms, like the Blanding's turtle. So we'll just go through some examples. The great crested newt, which is a rare and imperiled organism in the United Kingdom, which has been successfully surveyed using environmental DNA. It's also, on the other end of the scale, being used as a method of early detection for invasive species, like various invasive carp, or in this case, frog's bit in North American waterways. And then finally, you might have heard recently about the use of eDNA in the search for the Loch Ness Monster, where researchers determined that eels are the most likely source or cause of the Loch Ness Monster, and they discovered this by sampling the water and looking at the DNA that's present in the water. But eDNA is not necessarily a miracle solution, and much can still go wrong, such as poor amplification or contamination, or just the simple fact that when you sample the water, the eDNA might not be present in your sample, even if the species is present in the wetland. So for this reason, the first step is to validate the eDNA. So to do this, first I had to go and visit 102 wetlands and determine whether Blanding's turtle are present there or not. So I visually surveyed 102 wetlands by using binoculars and spotting scope to look for any Blanding's turtle that are basking in the springtime. 14 of the wetlands were also surveyed by hoop net, which are large cylindrical nets which are partially submerged in the water and baited to attract Blanding's turtles. And this was particularly useful in wetlands which are really heavily vegetated and difficult to see the turtles. So overall, I found Blanding's turtle in 22 wetlands, which are then going to be used as my positive controls. The next step was to sample the wetlands for eDNA. And to do this, I took 5 1-liter samples of water in 91 wetlands using sterilized polypropylene bottles, as you can see in the photo on the right. And these samples were taken spread around the wetland, with at least one sample being taken in the inflow to control for any DNA that might be flowing in from wetlands at higher elevations. These samples are then put on ice and taken to the lab where they're first filtered. So they're filtered through glass microfiber filters, which will filter out any particulate matter 1.2 microns or larger. So on the right, you can see my filtering setup where the water would be poured into the top and then be sucked through the filter paper using a vacuum pump.
You can see the filter paper on the left, which is then put into a microtube and frozen for storage. These samples are then taken to a lab at Université du Québec à l'Outaouais for analysis, for the qPCR analysis. And as I mentioned, this is basically just amplifying the sample until there's enough DNA to be able to measure it. So once I get the results back, which I don't have them quite yet, I'm going to get a DNA concentration for each sample, which are then going to be validated against the controls. So once the eDNA has been surveyed and validated, and all the wetlands are either classified as occupied or unoccupied by Blanding's turtle, then we can get to the question of whether landscape composition affects wetland occupancy. So for a given wetland, for example, the wetland that's outlined in pink, which might be kind of hard to see, but this works, you can see it just there. We want to know whether the landscape surrounding that wetland, for example, in one of the yellow buffers, has an impact on whether that wetland is occupied by Blanding's turtles. So the first step in doing this is to then determine to take that landscape and turn it into different land cover classes. And land cover is essentially just what the land is covered by. So for example, the farm at the bottom left of the screen could be classified as agricultural land cover. The buildings and the roads could be classified as anthropogenic land cover. Once this has been done, the land cover classes are then tabulated within each of the buffers for all the different wetlands, and then models are made to determine which of these land cover classes affects Blanding's turtle occupancy. So, as I said, the results for the eDNA is not quite available yet, but I have done some preliminary analysis using my visual surveys as well as data from the Ontario Herp Atlas. So, on the map on the left, you can see is a wetland which has been buffered by a 1 kilometer radius. I had buffered, for this analysis, I used 51 wetlands, 17 of which were occupied by Blanding's turtle. So for each one of these buffers, I then calculate the total proportion of each one of these 5 land cover classes. So in this case, I use open water, wetlands, forest, anthropogenic land cover, and agricultural land cover. On the right, you can see the sample data for 6 different wetlands, where for each wetland we have Blanding's turtle occupancy, either a 0 for absent or a 1 for present, and then the proportion of each one of these different land cover classes at that wetland. This data is then used to build logistic regression models, which the Blanding's turtle is the response variable, and the 5 land cover classes are the predictor variables. So in total, 31 different wetlands were 31 different models were made with each combination of land cover classes. So for example, one model is going to use just water to predict Blanding's turtle occupancy, another will use just water and wetland to predict Blanding's turtle occupancy, et cetera. So here on the left-hand side on the graph, we can see the top 5 ranking models which were made from this data. So the top ranking model used agricultural and anthropogenic land cover in order to predict Blanding's turtle occupancy. These models can then be visualized, for instance, on the right, where on the y-axis, or the vertical axis, is Blanding's turtle presence, which is just the probability that Blanding's turtle is present in a given wetland. On the x-axis, the horizontal axis, is anthropogenic land cover, which is just the amount of land cover present in the radius of a wetland. And on the z-axis, which, since this is a 2D graph, is represented by shades of blue, is the agricultural cover. So the points on the graph we can ignore. They're just the wetlands that were used to build this model. The ones at the 1 are wetlands that had Blanding's turtle, and the ones at the 0 were ones that were absent from Blanding's turtle. The curves on the graph are the model itself, where, for example, if we look at, easier to actually point stuff out, if we look on the x-axis to where anthropogenic land cover is 0, and we have a wetland that, say, doesn't have any anthropogenic land cover and then no agricultural land cover, so using the darkest shade of blue curve, then in this wetland, the land cover surrounding it will be made up entirely of wetland, open water, and forest. And in a wetland like this, we have roughly an 80 or 85% chance that Blanding's turtle will be present. As anthropogenic land cover increases, so buildings and roads and the buffer surrounding the wetland, then the probability that Blanding's turtle is present in that wetland decreases dramatically.
This is then compounded with agricultural land cover, where as agricultural land cover also increases, then this is compounded, as you can see, the curves will then will go to the lighter shades of blue, and the chance of Blanding's turtle presence in a wetland also decreases even more. So, for example, if we had a wetland that had entirely anthropogenic and agricultural land cover, so for instance, 25% anthropogenic land cover and say 75% or agricultural land cover, then we'd have roughly a 5 or 10% chance of Blanding's turtle being present in that wetland. So why is this important, and how does this help us? Well, this gives us an understanding of how landscapes affect Blanding's turtle presence. And this gives us an idea of where to invest conservation resources at the landscape scale. As we can see from our last graph, stuff like agricultural land cover and anthropogenic land cover have direct or have obvious negative effects on Blanding's turtle present. But unfortunately, that graph doesn't give us the entire picture, as there are many other variables that weren't included in that graph. So the final results, once I'm done completely, are going to include an average of all the different models to see exactly which variables affect Blanding's turtle the most. This also gives us an in-situ validation of eDNA as a survey tool for Blanding's turtles. And finally, this gives us an extensive inventory of Blanding's turtles' presence across the National Capital Commission's Greenbelt. So, I don't have my other slides on here. I'm so sorry about that. This is a different version. But with that, I'd like to thank everybody involved in this, and especially thank the Greenbelt staff, Alex and Eva, who have helped me tremendously with this, and the lab at the University of Ottawa. And thank you all for having me. So thanks so much, Vincent, and we have some time for some questions now. If you wouldn't mind going to the mics to ask the questions. Vincent, a quick question. Yeah. Check. Your map of distribution had a concentration of pink in going from our region and swinging out west towards Sudbury and so forth, yeah, and north. There were a few funny dots. One looked like it was about east of Rouyn-Noranda. Here, I can get back to that. Maybe the general question is best. What use do you think it is to have those what look like isolated populations? Do you think these are really isolated populations or just opportunities that haven't been explored yet? I think they primarily are isolated populations that have been isolated either due to human interaction, for instance, wetlands in between that have been turned into farmland or anthropogenic land cover and whatever, which have lost Blanding's turtle populations. So it's possible they used to all be connected. But at this point now, they are, as far as we know, isolated populations. And it is useful to have, since as if there are resources put into conserving wetlands in future, then they will act as points to propagate Blanding's turtle back into wetlands where they used to be before. So hopefully that answers your question. It does. Yeah. Thank you. Vincent, very, very good presentation. Thanks very much. Just a quick question about the lifetime of DNA in the ponds, in the wetlands. Are you looking at a fair amount of time sort of going back in history when you're taking DNA samples, or is it actually really fairly current? It's actually quite current. So the DNA, it does degrade quite quickly in these wetlands, and it depends on a lot of factors. For instance, UV from sunlight, the water temperature, the flow rate in the wetland, there's a ton of factors involved, so you can't put an exact number on how long it's going to stay in a wetland. But from other species that have been studied, half-life of DNA in a wetland, if there's no species there anymore, is roughly in a time scale of weeks. So if a Blanding's turtle has been in that wetland and then has been gone for several years, you wouldn't expect to pick it up anymore. But you never know. It is obviously possible that there is some still lingering, but unlikely. So thanks very much, Vincent. So I'll ask Sylvain to come up next, please. Merci. Je vais prendre un petit peu d'eau. Mon technologie qui m'a échappé. Thanks.
Est-ce que je peux y aller? Oui, bien parfait. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci, Catherine. Ça me fait vraiment plaisir. C'est des résultats très, très chauds. On était en fait en train de les mesurer encore cet été et jusqu'en septembre. Donc, je vais vous présenter une partie très, très réduite de l'ensemble des choses que nous avons mesurées. Et je vais vous parler des infrastructures donc, de la CCN, mais aussi de la ville de Gatineau. Donc, c'est un projet en partenariat qui a été sous le chapeau de Capital Nature et qui a été financé par le ministère du Québec. Globalement, je voulais juste vous redonner un petit peu de contexte pour cette étude. Cette étude a été faite parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de pression sur les villes pour faire de la densification, de l'aménagement du territoire. On a l'étalement urbain et tout un tas de pressions sur l'environnement et la qualité de cet environnement en ville. Donc, le ministère avait un besoin d'informations et on a proposé de faire une petite étude pour voir comment est-ce que les infrastructures vertes pouvaient aider à cette qualité de vie en ville et donc aider à prendre des décisions sur l'aménagement du territoire en milieu urbain. Juste pour faire un petit rappel aussi, les acteurs du développement sont nombreux là, dans une ville. On voit souvent autour de la table plusieurs personnes, dont les conseils municipaux, les ministères industriels et les entreprises. On a aussi des acteurs qui sont beaucoup plus comme les syndicats, des agriculteurs, des associations aussi à but non lucratif, qui peuvent avoir des avis, des envies et des recommandations à faire sur le développement territorial. On a aussi des groupes qui sont un petit peu moins écoutés ou présents, comme les communautés autochtones ou les scientifiques qui, à mon avis, prennent pas assez leur place dans ces décisions-là. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces acteurs de développement-là, lorsqu'ils sont bien représentés, qu'ils ont des forces communes, peuvent être des représentants des trois sphères qui sont celles du développement durable. Donc, on a la sphère sociale, la sphère économique et aussi la sphère environnementale. Dans la réalité, cette sphère n'est pas tout à fait, ne sont pas tout à fait égales et le centre qui permet le développement durable n'est pas aussi grand que ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans le développement, on a souvent la sphère économique qui est très présente, on en entend beaucoup parler, la sphère sociale aussi parce que ça correspond quand même à la qualité de vie de nos sociétés. Mais généralement, le parent pauvre, c'est plutôt la sphère environnementale. Ce qui fait que si on stretch un peu le schéma, laisse une petite place au développement durable et plus de place pour un développement qui peut amener à certaines problématiques. Pourtant, les écosystèmes devraient être considérés comme le socle du développement durable. Puis je vais essayer de vous convaincre un petit peu en deux minutes. Mais ce socle vient du fait que les écosystèmes fournissent des services écosystémiques. J'imagine que vous n'avez peut-être pas tous entendu parler, mais les services écosystémiques, ce sont des fonctions et des processus plus ou moins directs qui sont faits et rendus par les écosystèmes pour les individus, mais aussi pour les sociétés en entière, et cela pour l'économie ou la sphère sociale ou aussi pour l'environnement. Donc on voit que tous ces services sont cruciaux et que ce sont les écosystèmes qui les rendent. Pour les matérialiser un petit peu plus, ce qu'on peut nommer comme, et c'est pas une liste exhaustive du tout, mais ce qu'on peut nommer comme service écosystémique, par exemple, il y a la régulation et la filtration, l'amélioration de la qualité de l'air, qualité de l'eau aussi, la formation des sols et la permanence dans la fertilité des sols. On peut y aller avec aussi des services qui sont beaucoup plus récréatifs comme le récréotourisme, la chasse et la pêche. Et puis aussi un attachement identitaire, un attachement régional. On voit souvent les gens qui sont attachés à leur région, à la beauté des arbres. Ici, c'est assez connu. On voit la CCN depuis un mois avait pas mal de visiteurs dans le parc de la Gatineau pour ses belles couleurs. Donc, c'est d'ailleurs de plus en plus dur de faire de la recherche. Et puis, il y a d'autres services comme les microclimats, les habitats pour la faune et la flore. Je vous ai mis une petite marque parce que c'est mon animal préféré. Et évidemment, il y a d'autres services qui sont beaucoup plus des services d'approvisionnement. Le bois, la nourriture, donc on peut trouver un certain nombre de choses dans la forêt qui peut nous donner des opportunités économiques aussi. Donc tout ça pour dire que
les écosystèmes sont le socle du développement, et que moi je vous propose rapidement là, de retravailler sur le schéma en reclassant les services écosystémiques qu'on a comme ceux de support, donc les grands cycles de l'eau, de l'azote, les grands cycles climatiques, on a aussi la formation des sols. Bref, tous ces services de soutien-là qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui sont très importants pour soutenir les trois autres familles de services, qui sont l'alimentation, l'approvisionnement, la régulation, qui est en gros la qualité de l'habitat dans lequel on vit, et aussi le bien-être, donc les services qui sont plus reliés à la culture et au divertissement. Donc, une fois que ces écosystèmes sont en santé et fonctionnent bien, on peut développer là-dessus des sociétés qui vont être en santé, qui vont être en sécurité et en bonne relation. C'est ce qu'on cherche le plus. Ensuite, si ces sociétés-là s'ennuient un petit peu, on pourrait imaginer qu'elles pourraient avoir une petite activité économique pour se désennuyer. Mais donc, si on respectait un peu cette imbrication des choses, le socle environnemental, les sociétés qui reposent dessus et à l'intérieur des sociétés, une part de leur activité qui serait associée à l'économie. Ça donne un schéma qui ressemblerait un peu plus à ça, où on aurait donc l'activité économique qui est contenue à l'intérieur des sociétés, qui elle-même est contenue à l'intérieur de l'environnement, et chacun a encore un peu de place en dehors de ces sphères-là. Si on revient au milieu urbain un peu, les services écosystémiques qui sont dans les milieux urbains sont un petit peu différents. Il y a moins de forêts, on ne régule pas les climats à l'échelle régionale avec les forêts urbaines, mais il y a quand même un certain nombre de services. J'ai noté la régulation des eaux de pluie, les îlots de chaleur, la filtration de l'eau, de l'air, fixation de carbone, qui n'est pas négligeable, la régulation des crues et la biodiversité. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, mais... Mais c'est une liste qui est quand même intéressante. Nous, ce qu'on a regardé dans le projet, c'est ces quatre-là, donc la régulation des eaux de pluie, les îlots de chaleur, la fixation de carbone et la biodiversité végétale. Basé là-dessus, la question de recherche qu'on avait, c'était parmi nos infrastructures vertes, donc lesquelles fournissent ces services-là, à quelle hauteur, et est-ce qu'on peut les comparer un peu pour aider à faire des choix de développement. Le terrain de jeu qu'on avait, c'était le sud du Québec et plus particulièrement le sud de l'Outaouais. Là-dessus, on a visité donc plusieurs parcelles dans le réseau de Capital Nature. Il y avait des parcelles forestières aménagées ou non. Il y avait des parcelles en milieu agricole et des parcelles en milieu urbain. Aujourd'hui, je ne vous présente que les parcelles en milieu forestier et urbain pour des questions de temps. Ces parcelles-là, en fait, quand on sélectionnait un site, il y avait 4 sous-parcelles qui étaient mesurées, donc il faut multiplier tous ces nombres-là par 4. Les 4 parcelles, c'était une forêt, donc en haut à gauche, une forêt avec une bande riveraine, une prairie, donc un milieu ouvert, ça pouvait être une jeune friche aussi dans les milieux forestiers, et une bande riveraine ouverte, donc une prairie avec un ruisseau. On était intéressé par ces 4 infrastructures, donc on commence à flirter avec les infrastructures bleues, puisqu'on a des milieux humides, mais c'est ça, c'était ces 4-là qu'on voulait tester. Les mesures qu'on a faites, il y en avait de 4 types, donc pour aller échantillonner les 4 services, on a fait des mesures d'infiltration d'eau avec un infiltromètre en haut à gauche, on a fait des mesures de diamètre de tous les arbres qui étaient présents dans un 800 m², tous les arbres, arbustes et autres végétaux. Puis avec des équations allométriques, on a pu retrouver la biomasse et avec cette biomasse-là, calculer un peu le combien de carbone était séquestré dans ces parcelles-là. Ensuite, on a aussi placé des petits capteurs de température et d'humidité dans les parcelles pour avoir le microclimat, donc la température, l'humidité relative. Et pour la diversité végétale, on n'a pas eu le choix de faire appel à des biologistes parce que ça, il n'y a pas d'instrument pour les mesurer. Une fois qu'on avait tout ce protocole, on a envoyé donc sur le terrain une équipe de joyeux lurons qui ont passé 2 étés. Désolé, j'ai pas de photo de l'équipe de cet été, mais c'est ça, pour aller mesurer tout ça. Ça a été mes 3 dernières semaines pour faire l'analyse des résultats rapidement pour vous présenter ce qui était le plus important. Je vais commencer avec l'infiltration de l'eau. Si jamais vous avez des questions, Audrey sera sûrement ravie de compléter.
pour l'infiltration de l'eau, donc là, les graphiques, ils vont changer un peu à chaque fois, je vais les réexpliquer, mais on voit MF, c'est milieu forestier, donc c'est vraiment en milieu forestier, milieu urbain, et les barres bleues, ce sont les bandes riveraines, et les barres oranges, ce sont plus les milieux intérieurs. Ce qu'on voit globalement, c'est que on a un passage, quand on passe de milieu forestier à milieu urbain, on a 3 fois moins d'infiltration de l'eau de pluie dans nos forêts. Donc une forêt urbaine va être beaucoup moins capable d'absorber de l'eau. Avec des analyses qu'Audrey a réalisées dernièrement, on voit qu'en enlevant la texture du sol, on peut trouver aussi un effet du couvert qui fait que les forêts ont tendance à absorber un peu plus d'eau dans leur sol que les milieux ouverts. Mais le gros résultat, c'est celui-ci. On voit aussi un petit effet bande riveraine, là, où les bandes riveraines semblent un peu plus capables de faire de l'infiltration d'eau. Mais le gros résultat, c'est la forêt. Quand on passe de forêt en milieu forestier à forêt urbaine, on a une perte d'infiltration. C'est tout simplement dû à la compaction des sols qui est très forte en milieu urbain. Si on y va avec le microclimat, on a récupéré toutes les données, température, humidité, compilé ça pour voir un peu c'est quoi la différence qu'il y a entre les différentes infrastructures vertes. Si on prend une valeur de référence, aéroport de Gatineau à 30 degrés, 55% d'humidité, la même valeur quand on la regarde dans les, par exemple, prairies forestières et qu'on regarde une prairie urbaine, donc quand on passe en milieu urbain, ou qu'on regarde une forêt forestière et une forêt en milieu urbain, on voit qu'on a une augmentation de 2 degrés quand on passe dans le milieu urbain. Donc des températures qui sont quand même assez élevées. Mais on voit, donc c'est ça, de 2 degrés avec un air un peu plus sec. Mais on voit aussi, c'est un résultat un peu plus conséquent, que quand on n'a plus de couvert forestier, là la température augmente vraiment. Donc même avec des infrastructures vertes comme des prairies, on n'a pas l'effet d'ombrage et de rafraîchissement de l'air qu'on peut avoir avec les forêts. Donc on voit que ce soit en milieu forestier ou en milieu urbain, le fait de perdre le couvert forestier augmente de 4 degrés la température localement. Fait que si on fait un petit calcul entre la prairie urbaine et une forêt forestière, on peut avoir des différences jusqu'à 6 degrés. Mais le gros résultat, encore une fois, c'est qu'on passe d'un couvert forestier à un couvert ouvert, on a 4 degrés. J'avais des valeurs qu'on pourra discuter, j'ai pas beaucoup de temps pour ça, mais ça peut avoir des impacts importants sur la santé humaine, les risques de maladies cardiovasculaires, la consommation d'eau, consommation d'électricité, ça a quand même pas mal d'impact. Fait que tout ce qui peut réduire la température en ville pourrait être intéressant pour tout ce qui pourrait nous permettre de baisser cette température. Pour la fixation de carbone, donc le troisième des services qu'on regardait, bon là les résultats sont assez clairs, mais on voulait les quantifier, c'était surtout ça qu'on voulait faire. Donc si on les classe, les forêts, les bandes riveraines forestières, les bandes riveraines ouvertes et les prairies, on a pour tout ce qui est forestier de 78 à 100 tonnes de carbone séquestrées par hectare dans ces milieux-là, avec un léger avantage pour les forêts urbaines. Les arbres sont vraiment gros, en tout cas ceux qu'on a, les parcelles qu'on a échantillonnées. Donc c'est des très bons stocks de carbone. Ça représente des forêts vraiment intéressantes à ce niveau-là. En bande riveraine, ce qu'on voit, c'est que la densité d'arbres est un petit peu moins élevée, donc on a des valeurs qui sont un petit peu en dessous, mais ça reste quand même très honnête, à peu près équivalent à des forêts tempérées qui se trouvent à être entre les forêts tropicales et les forêts boréales en termes de fixation de carbone. Donc on est tout à fait dans des bons chiffres, mais dans les forêts urbaines, quand on a 100 tonnes de carbone à l'hectare, c'est quand même très intéressant. Pour les milieux ouverts, évidemment, on n'a plus d'arbres, donc là on stocke plus beaucoup de carbone, mais on voit quand même avec les bandes riveraines qu'il y a des arbustes qui sont présents. On va en parler tantôt, c'est pas nécessairement les arbustes qu'on veut, mais ils fixent un peu de carbone quand même. Donc on peut aller jusqu'à 7 tonnes à l'hectare, mais on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. Et pour les prairies, ben là on voit que les prairies intérieures, il y a vraiment pas beaucoup d'arbres, les sols sont souvent très compactés, donc en milieu urbain c'est vraiment des 0,1 tonnes. On peut aller en milieu forestier à 3 tonnes, parce qu'il y a un petit peu d'arbres qui envahissent. Maintenant, je vais passer à la biodiversité végétale. Donc, à ce niveau-là,
On a fait deux mesures. En fait, on pensait en faire qu'une, mais les résultats étaient un peu surprenants, fait qu'on a fouillé un petit peu plus. L'indice de Shannon, c'est un indice de biodiversité alpha. C'est un indice qui permet de un peu voir le nombre d'espèces, mais aussi la représentation relative de chacune de ces espèces-là. Donc, quand on fait une combinaison des deux, on a un indice qui est plus proche que simplement de dire il y avait 25 ou 30 espèces. Il y en avait des espèces qui n'avaient pas beaucoup de représentation, prennent un peu de place dans l'indice. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait pas énormément de différence, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait des beaucoup plus grandes. Dans les résultats, donc là, milieu forestier, c'est les barres vertes, les milieux urbains, c'est les barres bleues, et puis on a les bandes riveraines à gauche, les milieux intérieurs à droite, et puis on a les milieux forestiers qui sont les F et les témoins, donc les ouvertures, les prairies qui sont les T. Ce qu'on voit, c'est que dès qu'on passe du milieu forestier à milieu urbain, on a un léger avantage quand même à une biodiversité supérieure en milieu forestier, mais la différence est très 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 faible, c'est une tendance. Ce qu'on voit aussi, c'est les bandes riveraines qui avaient une légère tendance à avoir une diversité supérieure, et ça c'était vrai dans les milieux forestiers comme dans les milieux urbains. Donc ça, c'est un milieu intéressant pour la biodiversité parce que on voit que c'est un milieu particulier où il y a quelques espèces qu'on ne retrouve que là. Par contre, on voyait quand même sur le terrain des différences, là, on voyait bien que ce n'était pas du tout les mêmes milieux, que les forêts ne se ressemblaient pas du tout, donc on a essayé de comprendre un petit peu pourquoi. Donc on a été fouillé dans les espèces, donc cette fois-ci on oublie l'abondance, mais on a regroupé les espèces par groupe fonctionnel. Donc les espèces qui se ressemblent, on les a mis ensemble, et là on a regardé est-ce que les représentants de chacun de ces groupes étaient présents dans nos infrastructures vertes. Donc il y a les feuillus, les premiers en bleu, les arbres feuillus, les conifères, les arbustes, les sporophytes, c'est les fougères et les bryophytes, donc les petits lycopodes, les monocotylédones, c'est les plantes qu'il faut aimer en forêt, c'est les plus belles, c'est celles-là qu'on veut. Oui, j'ai des préférences. Les graminées, ben, c'est des espèces qui sont plus en milieu ouvert, c'est les herbes. Les fleurs de champ qui sont quand même intéressantes, qui font des belles photos. Et puis les autres plantes qui étaient difficiles à classifier dans nos groupes fonctionnels, mais qu'on a quand même conservées. Donc vous voyez là le portrait d'une forêt normale. Pour juste que ce soit un peu plus simple, j'ai simplifié avec les espèces, les deux groupes jaune et bleu clair, qui sont des groupes d'essence forestière, et les verts et bleus foncés qui sont des espèces plus de milieux perturbés. Donc vous allez voir, quand on rentre en milieu urbain, ben là on voit qu'on a une bonne perte de conifères et une bonne perte pour les essences forestières, ce qu'on ne veut pas. Et c'est au gain des arbustes, et là j'y reviens, les arbustes c'est quoi? C'est le nerprin. Nous aussi on en a trouvé à peu près 100% de nos parcelles en milieu urbain, donc un envahissement certain. De cette espèce-là. On a aussi une augmentation des graminées et des plantes à fleurs. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces espèces-là n'ont pas un gros impact sur les services écosystémiques parce qu'elles sont toutes à peu près pareilles. Donc les graminées, les astérales, c'est vraiment des espèces qui se ressemblent beaucoup. Donc même si les espèces sont différentes et qu'elles comptabilisent et qu'elles aident à la biodiversité, en termes de fonction, elles sont peu importantes. Et un graphique comme celui du bas est moins intéressant qu'un graphique du haut. Ce qu'on a comparé aussi après, c'est avec quand on regardait seulement les prairies, donc peu importe milieu bande riveraine ou pas, on avait quelque chose qui était encore plus dramatique. Donc en milieu ouvert, on perd vraiment beaucoup d'espèces. Évidemment, tout ce qui est arbres, conifères, il y en avait très très peu, presque plus de plantes forestières non plus, pour un gros gain pour les graminées et les astérales. Donc c'était des milieux qui, malgré le fait qu'elles avaient énormément d'espèces, c'était souvent des espèces ornementales, des espèces envahissantes, c'était des espèces aussi qui étaient appartenaient toutes au même groupe fonctionnel, donc une redondance assez peu intéressante. Finalement, rapidement, on voyait que la situation était un peu moins pire quand on se plaçait sur les bandes riveraines. Encore une fois, les bandes riveraines étant un peu plus protégées, peut-être moins tondues, moins compactées, il y avait encore présence d'un certain nombre d'espèces qui pouvaient faire que ça restait un milieu où il y avait moins de pertes et moins de gains dans les groupes qui nous intéressaient moins.
En conclusion, ce qu'on peut voir, c'est quand on passe du milieu forestier à milieu urbain, on voit qu'une forêt ne rend pas tous les services qu'elle pourrait rendre comme elle le fait en milieu forestier. Et on voit ça sur l'infiltration d'eau qui est divisée par 3, encore une fois. La biodiversité, où on a un nombre d'espèces relativement équivalent, mais des changements de proportions relatives dans les groupes. Et un microclimat aussi qui est un peu plus chaud, donc qui a tendance à favoriser les intrusions, les maladies, les insectes. Donc c'est des milieux qui sont un peu plus à risque, surtout les milieux forestiers. On l'a vu avec la grille du frêne et il y en a quelques autres qui s'en viennent. Mais bon, la guerre n'est pas perdue. Je suis complètement certain qu'il y a plusieurs choses à faire pour pouvoir augmenter la biodiversité, l'apport, donc la réduction des îlots de chaleur et autres microclimats régulés dans ces infrastructures-là. Aussi augmenter la séquestration de carbone et l'infiltration de l'eau. Ça, en faisant quelques recommandations simples. Moi, je propose directement de planter des arbres. On pourrait voir les prairies qui sont les moins intéressantes et qui ne sont pas dans des milieux humides pour les amener à devenir des places plus avec un couvert forestier. On peut aussi y aller avec les stationnements du Costco qui pourraient être des bonnes places pour planter des arbres qui séquestreraient du carbone. La protection. Restauration des sols, je pense que ça c'est un gros enjeu où on pourrait avoir quelque chose à faire. Ça aurait une grosse influence sur la biodiversité, mais aussi sur les capacités d'infiltration. Et puis le contrôle des espèces invasives, parce qu'on voit quand même que c'est un problème pour le retour et la présence de toutes les espèces. Fait que je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, any questions, just go to the mics, please. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Nicole Poitras. Je ne suis pas en recherche écologique ou des systèmes écologiques. Je suis une économiste, mais je travaille maintenant à ma retraite pour une organisation communautaire. Et présentement, il s'agit dans New Edinburgh de la ville qui a décidé d'installer un sewer, un réservoir de déchets dans le parc. Ils ont coupé des arbres. Et le problème qu'on a pour la restauration du parc après la construction, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de prix. Ben, c'est vrai qu'un arbre n'a pas de prix, mais il n'y a pas de prix qui est attaché à un arbre. Alors, quand on discute avec la ville, ce sont des communications de qualité, mais qui viennent de notre expérience personnelle à ce moment-là. J'ai vu dans un DVD qu'aux États-Unis, présentement, quand ils font des grands développements en banlieue, ils protègent les arbres et ils attachent une valeur qui vient du service que les arbres nous procurent à chaque arbre. Il y en a qui valent 72 000 $ et on fait un cercle de protection très, très grand. Et si les contracteurs brisent les racines, ils sont responsables du prix de l'arbre puis de le restaurer. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites présentement pour associer qui nous aiderait un prix aux arbres? Oui, il y en a. En fait, on a un collègue, Jérôme Duprat, qui avait fait une évaluation des services écosystémiques sur les territoires de la CCN. Puis j'ai jeté un coup d'œil avant de venir à la rencontre ici, là, et ça tombe bien parce que je n'avais pas du tout ces valeurs-là en tête, mais il a quantifié les services. Moi, je veux juste dire que je ne suis pas très à l'aise avec cette procédure-là parce que donner une valeur à la nature comme ça, c'est quand même un peu gênant. Et puis, j'ai toujours peur aussi que si on met 72 000 $, puis je ne sais pas quelle espèce c'est, mais ça coûte cher, parce que nous, on n'a pas trouvé ces valeurs-là. Non, c'était des conifères, très, okay. Très élevés. Et puis,
Ce qu'on voit, c'est que si on met un prix là, les gens vont trouver que c'est bien, bien intéressant. Ils vont aller justement le couper ou le revendre. Il y a un esprit là-dessus qui est un peu gênant. Mais au moins, je suis d'accord que de mettre ça sur la table, quand on est avec des décideurs et qu'on dit soit vous construisez une usine d'épuration d'eau qui va vous coûter tant et l'entretien, soit vous mettez le même argent une seule fois, puis vous resterez toutes les bandes riveraines du bassin versant et votre eau, elle va être presque pas besoin de l'épurer. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Ce qu'on avait, et le rapport est disponible, j'imagine, donc je peux vous le passer si vous venez me voir, là, je peux le transférer. Mais en gros, il y avait 9 000 $ par hectare de forêt urbaine. Il y avait un 4 000 ou 5 000 $ pour des forêts plus comme le parc de la Gatineau, donc c'est des forêts qui sont un peu plus éloignées. Et puis les autres, comme les milieux humides, j'en parlerai pas parce que les valeurs qui sont associées pour moi sont seulement avec la connaissance et le transfert qu'on était capable de faire. Et je ne pense pas que la valeur était tout à fait exacte. Mais en gros, une prairie, par exemple, c'est 1 000 à 3 000 $. Donc, on voit qu'il y a quand même une quantification qui a été faite. Est-ce qu'elle va permettre d'empêcher un développement immobilier? Pas certain. Mais il y a beaucoup de ces valeurs-là qui sont difficiles à quantifier. L'attachement à une forêt, l'attachement à aller se promener le dimanche matin dans une belle forêt, combien ça coûte? Vous êtes économiste, vous le savez peut-être plus que moi, mais en tout cas, dans mes valeurs, ça coûte cher. Merci beaucoup. Madame? Oui. Bonjour. Alors, merci pour la présentation. J'avais juste une question bien générale sur votre sujet de recherche. Donc, j'ai remarqué que vous avez parlé beaucoup de différents types de milieux. Je me demandais seulement si, dans le cadre de votre recherche, vous avez pensé à l'hétérogénéité des milieux. Donc, en gros, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez remarqué une quelconque amélioration au niveau d'avoir une différence de diversité de milieux rapprochés ensemble versus seulement regarder les différents types de milieux indépendamment dans une quelconque zone ou sphère. Bien, si je comprends bien, c'est l'espèce de spatialisation des résultats, puis voir comment est-ce que l'hétérogénéité peut aider. Oui, corridor et connectivité. C'est ça. Versus... Donc ça, on l'a fait dans la MRC de Papineau, mais on ne l'a pas fait pour cet exercice-là, tout simplement parce qu'on avait des fonds limités et on voulait déjà avoir des valeurs. On peut les placer sur une carte où on va avoir chacun de ces milieux-là, puis on peut leur attribuer la valeur pour le service, la fonction, on pourrait l'attribuer, puis avoir une carte comme ça. Moi, j'ai regardé aussi rapidement les îlots de chaleur, puis la distribution des parcs urbains, qu'ils soient forestiers ou non. Et il y a vraiment des gros trous à certaines places. Et ça pourrait valoir la peine, parce qu'on voit que dans les milieux habités, les rues qui sont plus des habitations, c'est quand même pas si mal. Il y a les arbres de rue qui sont pas du tout comptabilisés ici et qui font un travail extraordinaire pour nous dans les villes. Mais il y a vraiment des endroits où j'aurais le goût de dire aux décideurs, regardez ici, quand vous allez faire un nouveau développement, quand vous allez faire un nouveau centre commercial, pensez-y, parce que il faut faire quelque chose, il faut inclure une infrastructure verte là-dedans, parce qu'on voit que l'hétérogénéité est trop grande, il n'y a plus rien, et là il n'y a plus de services qui sont rendus. Et puis, j'insiste un peu sur les stationnements de Costco, mais je veux dire, quand les gens vont acheter des choses congelées, ça décongèle comme ça dans l'auto parce que c'est à 38 degrés. Je ne sais pas, j'ai vu des tas d'exemples de stationnements qui sont avec du gazon ou de la mousse qui supportent bien les voitures et qui ont quelques arbres qui font que c'est juste un plaisir de magasiner un peu plus. Mais non, on n'a pas regardé ça. Ça serait dans les prochaines étapes de spatialiser ça, d'essayer d'avoir quelque chose et de voir. On a déjà discuté avec certaines personnes, puis on voyait que ce qui était très important, c'est le quartier et l'éducation et le revenu moyen dans ces quartiers-là qui étaient plus importants pour générer la présence des services, enfin des infrastructures vertes et donc des services. Et ça, moi, je suis pas sociologue, mais c'est malheureusement un résultat un peu dommage. D'accord, merci, c'est intéressant. Bon, merci Sylvain. Merci. Je vais vous lever. Donc, notre dernière présentée de la soirée, c'est Caroline Gagné. Merci.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens à la maison qui nous regardent en différé. Manette. Simplement pour vous mettre en contexte, dans le fond, je travaille pour Conservation de la Nature Canada. Ceux qui ne connaissent pas l'organisme, c'est un organisme de charité qui travaille en milieu privé pour protéger pour créer des aires protégées. Donc, par acquisition, on reçoit des dons de terre, on fait des servitudes de conservation et on est un partenaire de très longue date du parc de Gatineau et de la CCN. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est des résultats d'études qui se sont déroulées sur les 10 dernières années. Donc, ce n'est pas uniquement une étude en particulier. Je vais tenter de résumer le plus possible. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à la fin. Je vais commencer par la rainette faux-grillon. Donc, la rainette faux-grillon, c'est une espèce unique au Québec parce qu'elle se situe uniquement en Outaouais et en Montérégie. La majorité d'entre vous risque de ne pas l'avoir vue parce qu'elle est très petite. Vous voyez le 2 $ sur l'image. Donc, à la taille adulte, elle rentrerait sur votre 2 $. Par contre, on l'entend très fort. C'est la première grenouille qui chante au printemps. Puis elle a un son très distinctif. C'est comme si on passait nos doigts sur les peignes, sur les dents d'un peigne en plastique. Ça fait tourit, tourit. Donc, c'est de cette façon-là qu'on la reconnaît. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde à cette espèce-là? C'est parce que c'est une espèce qui est vulnérable au Québec et une espèce menacée au Canada. Donc, la répartition, vous voyez sur la carte, il y a une petite ligne pointillée. Ça, c'est la répartition historique qui était connue. Donc, auparavant, était beaucoup plus présente que maintenant, qui est représentée par les petites taches rouges. On a fait un petit rapport de situation il y a quelques années, mais on a conclu qu'il y avait une perte totale de 90% en Montérégie et de 30% en Outaouais. En ce moment, on peut dire que ça va relativement bien en Outaouais, en tout cas mieux qu'en Montérégie, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu autant de développement. Donc, du côté droit, j'ai mis les menaces principales. Évidemment, c'est l'urbanisation. C'est une espèce qu'on retrouve beaucoup en milieu urbain. En Outaouais, une particularité, c'est qu'on la retrouve également en milieu agricole. Puis aussi, pour ce qui est du milieu agricole, les pertes d'habitat, les pertes pour l'espèce, c'est beaucoup les pratiques agricoles intensives. Donc, la conversion des terres en monoculture, le maïs, le soya. Je vais vous expliquer plus tard quel type d'habitat elle utilise. Puis ensuite, la fragmentation du territoire qui limite les déplacements. C'est déjà une espèce qui n'est pas très facile de se déplacer comparativement aux autres espèces qui ont soit des petites suces sur les pattes. Ce n'est pas une espèce qui est très mobile. Dans la littérature, le déplacement le plus long était de 217 mètres. L'habitat typique de la rainette faux-grillon, ce n'est pas un milieu humide dont on est habitué de voir habituellement. Si vous regardez sur les images, c'est souvent, ça a l'air de, des flaques d'eau, des cuvettes. Souvent, on appelle ça des étangs temporaires. Donc, au printemps, il y a de l'eau. Il faut que l'eau soit suffisamment présente pour permettre le cycle de reproduction complet, donc de l'œuf têtard à la petite grenouille. Puis, par après, elles vont utiliser des habitats terrestres. Souvent, c'est des milieux ouverts. Donc, on voit souvent, c'est des prairies herbacées, comme ça. Je vous présente le portrait. Donc, vous voyez le périmètre du parc de la Gatineau. Je vais parler beaucoup. On a fait des études dans la population A17, A pour agricole. C'est la plus grosse population en milieu agricole, la deuxième plus grosse population en Outaouais. Puis, les études qu'on avait faites, ça l'a permis, dans le fond, de tirer des conclusions pour faire des recommandations qui s'appliquent à l'ensemble de l'Outaouais et qui sont parfois reprises en Montérégie quand les habitats sont, ou les conditions sont semblables. Donc, ce qui est intéressant du partenariat avec la CCN, c'est que, dans le fond, on a pu faire des recommandations pour le parc de Gatineau, mais aussi qui est applicable dans l'ensemble des habitats de l'espèce en Outaouais. Donc, en 2012, j'avais fait une analyse du paysage. On parlait de l'analyse qui était basée sur la littérature, mais aussi une analyse spatiale avec cartographie, avec les logiciels de géomatique, pour regarder dans un habitat de 250 mètres d'un site de reproduction, qu'est-ce qu'on retrouve comme paysage. Puis ça nous a permis, dans le fond, d'établir des recommandations, non seulement pour le parc et les habitats de la CCN, mais aussi pour des sites à l'extérieur, puis pour développer une approche qu'on fait depuis les 10 dernières années. Donc, en gros, c'est que souvent, les espèces, on dit, la présence humaine peut être
dommageable pour une espèce. Dans le cas de la rainette, ce qui est particulier, c'est qu'elle cohabite très bien avec l'humain. En milieu agricole, en Outaouais, les friches, c'est des habitats humanisés. Donc, quand on parle de culture de foin, de prairies herbacées, des pâturages avec des vaches, c'est toutes des pratiques agricoles qui sont très compatibles, même, voire même favorables pour cette espèce-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre de l'avant. Dans le cas du parc de la Gatineau, on recommandait de maintenir des bandes de protection de 15 mètres autour des étangs, donc c'est-à-dire de ne pas faire de la coupe pour pouvoir maintenir un couvert végétal pour que les espèces, une fois que la reproduction est terminée, les rainettes peuvent continuer à vivre dans cette bande de protection-là. Quand on fait de la coupe dans les terrains de foin, les friches, maintenir cette hauteur-là à 20 cm, donc pas couper au ras le sol pour maintenir une végétation où ce que les rainettes peuvent s'enfuir, se cacher, rester humides, puis maintenir un habitat ouvert en contrôlant la conversion des friches en forêt, parce que si on laisse une friche, on ne la coupe pas pendant plusieurs années, éventuellement les arbres vont pousser, puis l'habitat va se refermer, alors que la rainette fougrillon a besoin beaucoup d'un habitat ouvert pour s'assurer que le soleil pénètre, ça réchauffe l'eau, ça permet de compléter le cycle de reproduction. Il y a d'autres recommandations qui avaient été ressorties de cette étude-là, qui étaient d'éviter de convertir les champs en monoculture intensive, comme le maïs et le soya. Ce qui arrive pour ces cultures-là, c'est souvent il y a beaucoup d'irrigation qui est amenée à ça. Quand on parle de cuvettes d'eau, d'étangs temporaires, l'irrigation va drainer ces cuvettes-là, puis ça l'empêche la rainette fougrillon de pouvoir compléter son cycle de reproduction. Éviter le broutage intensif à l'aide d'une rotation. Donc, il n'y a pas de broutage dans le parc, mais à l'extérieur, à proximité, le long de l'escarpement d'Hurley, il y a beaucoup de pâturage, des gens qui ont des vaches. Donc, on recommande aux agriculteurs de ne pas nécessairement laisser les vaches aux mêmes endroits pour brouter intensivement. On peut le faire avec des clôtures électriques et les changer fréquemment pour s'assurer que les vaches utilisent tout le champ puis que ça assure une coupe de la végétation. Puis aussi, limiter l'utilisation des produits chimiques. Évidemment, dans le parc, il n'y a pas de produits chimiques, mais à l'extérieur, c'est le genre de conversation qu'on a avec les agriculteurs. Ça ici, c'est des exemples de travaux qui sont découlés de cette étude-là de 2012. C'est que depuis ce temps-là, on transfère les connaissances auprès des gens qui ont un rôle à jouer en agriculture. Donc, les producteurs de sites, des producteurs agricoles et des propriétaires de sites agricoles. On a commencé par établir une stratégie. Donc, on identifiait les sites qui étaient prioritaires, ceux où la rainette était en très bonne santé. Les inventaires se font au moyen de codes de champ. Donc, on écoute, puis si on entend des grosses chorales, on assigne une cote de 3. Si on n'entend rien, c'est 2. 1, c'est quelques individus, puis 2, c'est dans le fond entre des individus distincts, puis une chorale. On a identifié les sites qui étaient prioritaires, puis ensuite, on a développé une approche auprès des propriétaires en milieu privé de ces sites-là. On a fait une analyse du risque de conversion des terres agricoles en regardant les types de sols, la facilité de quelqu'un, si le sol est de bonne qualité, si la topographie est idéale pour faire du drainage. On regardait à parler à ces personnes-là en premier. Par la suite, on a fait aussi un sondage auprès des agriculteurs pour anticiper les risques de conversion. Donc, on demandait c'était quoi leurs intentions pour les 10 prochaines années. Dans certains cas, ils disaient, bien, je vais continuer à faire de la coupe de foin, à garder mes vaches. Dans d'autres cas, ils nous disaient, bien, j'ai l'intention de rentabiliser ma ferme, donc je vais faire du maïs. À ce moment-là, on avait un autre genre de conversation avec ces personnes-là. On a fait aussi de la formation de bénévoles. C'est ce que vous voyez sur l'image. C'est des formations gratuites qu'on a offertes au public où, dans le fond, on sensibilise, on informe les gens par rapport à l'espèce, on les familiarise avec les sons, comment les différencier de différentes autres espèces de grenouilles qui chantent dans la même période. Puis par la suite, on leur donne des routes d'écoute, puis ils peuvent être nos oreilles et nos yeux sur le terrain pour identifier si jamais il y a des enjeux de conservation. Puis par la suite, nous, on peut faire un travail auprès des propriétaires. Puis, on a développé une démarche de conservation volontaire auprès de, je pense qu'on est rendu à 60 propriétaires pour les sensibiliser aux bonnes pratiques agricoles en lien avec la rainette, mais on intègre aussi des bonnes pratiques en lien avec les oiseaux en milieu champêtre parce qu'ils partagent les mêmes habitats.
En ce moment, en fait, ça continue. Là, c'est vraiment, je pense qu'on n'arrêtera pas tant que l'espèce ne sera pas rétablie, au moins se maintiendra pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un projet de restauration de la connectivité entre deux sites, c'est-à-dire que quand il y a deux sites, mais ils sont éloignés de plus de 250 mètres, si on vient à la diapo précédente où on parlait de la distance de dispersion maximale, s'il n'y a pas d'habitat qui permet la dispersion, on peut en créer un pour faciliter la dispersion. Puis on essaie de créer différents milieux de différentes profondeurs pour pallier aux années de sécheresse, aux années d'inondation. Donc, les étangs temporaires, les milieux humides, c'est très variable dans le temps. Donc, c'est une des solutions qu'on met de l'avant avec un agriculteur en ce moment. On fait aussi une caractérisation d'une aire preuve en milieu urbain dans les habitats de Rainette pour voir s'il n'y aurait pas un impact avec le couvert forestier qui empêche la lumière de traverser. On est vraiment au stade de la caractérisation, puis en ce moment, il y a 100 % d'envahissement par le nerprun. Dans tous les sites visités, il y a du nerprun. C'est très triste. Mais je pense qu'on s'en va là pour beaucoup de milieux urbains. Puis on va développer un réseau de suivi par des bénévoles avec des routes d'écoute. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous inviterai à vous tenir au courant des événements qu'on pourrait donner au printemps. Là, la Rainette, c'est la première qui chante en avril. Donc, ça fait le tour pour la Rainette. Je vais vous parler des tortues, puis je remercie Vincent d'avoir quand même bien présenté l'espèce, la tortue mouchetée. Donc, il y a certaines choses que je vais mettre de côté. Dans le fond, les 8 espèces, il l'a déjà mentionné, les 8 espèces de tortues du Québec, et en fait de l'Ontario, sont en péril, qui ont un statut soit provincial ou fédéral. La raison derrière ça, c'est qu'à la base, naturellement, ils ont une stratégie de reproduction qui repose sur la survie des femelles. Donc, naturellement, il y a à peu près 2 % des œufs qui se rendent à l'âge adulte, c'est-à-dire que la prédation, ça fait partie de leur cycle de vie, c'est normal. Puis les femelles prennent plusieurs années avant d'être matures sexuellement, donc ils se reproduisent, certaines espèces après 10 ans, d'autres jusqu'à 25 ans. Donc leur stratégie de reproduction repose beaucoup sur la survie des femelles. En présence de l'humain, quand on détruit les habitats, quand on parlait de mortalité routière, il peut avoir un impact quand même très grave sur le maintien d'une population. C'est à ce moment-là que nous, on cherche à intervenir. Je vais faire un petit tour rapide. Dans le fond, l'histoire de la tortue mouchetée a commencé là, il y a à peu près 20 ans, là, en 1996. C'était les pionniers. Par la suite, il y a eu un rapport de situation. Il y a eu une création un plan de rétablissement, création d'un groupe de mise en œuvre, d'une équipe de rétablissement pour se pencher sur la situation. Et de là est venu le besoin d'en connaître plus sur l'espèce. Donc, il y a eu beaucoup d'inventaires qui ont commencé dans le parc de la Gatineau avec la CCN en 2007. Et au tout début, c'était des inventaires visuels. On a parlé d'ADN environnemental, donc on était très loin de ça. Ça commençait par des inventaires avec des jumelles, des inventaires en canot. Par la suite, on a fait un suivi de télémétrie auprès de 50 tortues pendant 3 étés de suite. La télémétrie, c'est mettre un émetteur sur la carapace d'une tortue puis la suivre avec une antenne à peu près aux 3 jours. Puis tout se fait manuellement, donc on doit entendre un bip sonore puis essayer par triangulation de localiser cette espèce-là. Puis par la suite, en 2012, on a fait des inventaires avec des verveux, des hoop nets, comme Vincent l'a mentionné. Ceci, c'est des exemples de résultats qu'on a eu dans le fond, au fil des ans. Si vous voyez, dans le fond, sur la carte principale, les habitats en rouge, c'était les habitats qui avaient été confirmés dans les inventaires visuels. Puis, on avait dessiné à l'époque des cercles bleus autour qui disaient que c'était probablement des noyaux intéressants de population. Donc, on a concentré nos inventaires là par la suite, puis on avait dessiné des corridors entre les populations. Les autres petites cartes, c'est des exemples de résultats de suivi de télémétrie. Ça montre les déplacements individuels de chacune des tortues. Dans le cas de celle qui est au centre, vous voyez un cercle, c'était son site de ponte. Donc, elle a pondu les œufs là, puis on voyait qu'elle est revenue à son milieu humide. Dans l'autre cas, c'était un mâle qui se promenait un peu partout. Donc, c'est ça. Vincent l'a mentionné, c'est une tortue qui est très, très mobile, surtout si on compare avec la Rainette Faux-Grillon de l'Ouest. Ça, c'est un autre exemple des inventaires qu'on faisait avec les verveux, qui sont des filets. Juste pour vous montrer l'effort de capture, le nombre de jours verveux que ça prend pour trouver des tortues, on ne les voit pas nécessairement avec nos yeux visuellement quand on en capture. Dans un camp en particulier, ça l'a pris, je pense, aux 92 jours verveux pour trouver 5 tortues. Donc, on remercie grandement l'arrivée de l'ADN environnemental pour simplifier notre vie.
C'est vraiment bien. Ça ici, c'est la carte des connaissances actuelles. Donc, si vous vous souvenez, les cercles, je pense qu'on avait une bonne idée de qu'est-ce qui s'en venait. Ici, c'est ce qui est confirmé. Là. À l'heure actuelle, c'est les occurrences connues de tortues mouchetées. Ce que vous voyez, les taches en vert foncé, c'est les propriétés qui ont été acquises par Conservation de la Nature Canada au fil des 10 dernières années par rapport aux résultats de recherche qui ont commencé dans le parc de Gatineau puis qui se sont poursuivis un peu partout au fil des noyaux qu'on trouvait. Et maintenant, je ne peux pas dire qu'on ne fait plus d'inventaire là, avec des verveux, mais on développe beaucoup l'ADN environnemental pour se donner un coup de main, pour essayer de voir jusqu'où à l'extérieur de ces noyaux connus-là de population, est-ce qu'on peut retrouver de la tortue mouchetée. Donc, on en apprend encore même après 10 ans. Une autre chose intéressante qu'on fait, dans le fond, en partenariat avec la CCN, c'est l'apprentissage sur le castor. Au fil de nos études, on a trouvé une très bonne corrélation entre la présence de la tortue mouchetée et les étangs castors au Québec. Puis, le parc de la Gatineau a développé une très grande expertise en gestion du castor. Puis souvent, ce qu'on avait observé dans les habitats de tortues mouchetées, c'est que les gens démantèlent des barrages de castors, ça draine des milieux humides, et souvent, dans l'habitat de la tortue mouchetée, les milieux humides sont tous interconnectés. Puis quand le démantèlement se fait à une mauvaise période, par exemple juste avant l'hiver, ça devient très problématique parce que la tortue est en train de se préparer à hiverner. Puis là, ça draine l'eau, donc il n'y a pas nécessairement suffisamment d'eau. Elle peut soit geler ou il peut avoir un manque d'oxygène qui cause un genre de winter kill. Puis ça a un impact aussi sur les populations. Donc, on travaille avec les municipalités pour utiliser la technologie qui a été développée dans le parc avec les triangles clairs, c'est-à-dire d'utiliser des tuyaux pour avoir un niveau d'eau qui est acceptable pour, par exemple, pas inonder une route, pas inonder une propriété privée, mais maintenir un niveau suffisamment élevé pour permettre aux tortues mouchetées de survivre. C'est un exemple, dans le fond, de visite qu'on avait fait au parc de la Gatineau pour montrer le type d'infrastructure. On a invité des gens des municipalités, des travailleurs qui peuvent mettre en place des choses comme ça sur le territoire de la municipalité. Puis ce qui est magique, c'est qu'avec du fait que c'est une espèce qui est menacée, on a accès à du financement pour justement protéger l'espèce. Puis on est capable d'installer gratuitement pour les municipalités des systèmes de contrôle de niveau d'eau à des sites qui sont très importants pour l'espèce. Très rapidement, je vais vous parler dans le fond, je vais faire le lien avec l'impact de la mortalité routière. J'irai pas en détail parce que je crois que Vincent l'a très bien présenté comme problématique, mais dans le fond, les tortues se déplacent beaucoup pour différents besoins, puis surtout au mois de juin, vous voyez le pic sur le graphique, c'est la période de ponte, donc c'est beaucoup des femelles qui se déplacent à cette époque-là. Déplacement veut dire beaucoup de traversées de route, route veut dire mortalité. On a créé une plateforme de signalement qui s'appelle Carapace. Donc, si ça vous intéresse, c'est carapace.ca. C'est une façon, c'est de la science citoyenne. C'est une façon pour les gens qui n'ont pas nécessairement des connaissances sur les tortues de rapporter leur observation. Ça prend simplement une photo, c'est une page, c'est un formulaire. C'est très facile d'utilisation. Puis nous, on collecte d'informations pour avoir des renseignements sur l'impact de la mortalité routière, identifier des tronçons. Donc, je vous présente rapidement la carte. Donc, voici les résultats. Dans le fond, il n'y a juste pas les résultats de 2019 qui sont affichés sur la carte parce qu'on est encore en train de les analyser. Mais en gros, le petit tableau vous montre, on a commencé en 2016 uniquement en Outaouais. On avait 111 personnes, en fait, c'est 114, qui ont signalé des tortues. Puis au fil des ans, on a ouvert la plateforme à un usage québécois. Puis les gens, au fil du temps, ils ont appris à utiliser la plateforme. On récolte des données de plus en plus croissantes. Puis sur la carte, vous voyez dans le fond les signalements en rouge, c'est des tortues mortes, en jaune, c'est des tortues blessées, puis le reste, c'est des tortues vivantes. Donc, c'est encourageant, il y a plus de tortues vivantes que de tortues mortes. Puis on a fait une analyse spatiale pour identifier des tronçons de route de mortalité. Donc, je vous montre un peu les résultats de qu'est-ce qu'on voit. C'est des gens, des citoyens réguliers qui ont signalé des observations. Donc, vous voyez des tortues blessées, mortes et vivantes. Il y en a un peu partout en Outaouais. Enfin, il y en a partout au Québec, mais à certains endroits au parc de la Gatineau, notamment le chemin de l'Émacham que vous voyez dans le centre-ouest du parc. Si on regarde de plus près, dans le fond, il y a l'autoroute 5 qui est très problématique.
problématique où ce qu'il y a eu un tronçon, dans le fond, de mortalité, c'est que l'autoroute traverse un milieu humide où ce qu'il y a de la serpentine. La serpentine, c'est quand même une grosse espèce, c'est très visible, donc on peut s'imaginer qu'il y a peut-être d'autres espèces qui finissent dans les fossés qu'on n'observe pas. Donc, l'analyse spatiale a permis d'identifier que c'était probablement un tronçon où il y a beaucoup de mortalité. Même chose dans la portion du parc, là, la promenade qui se rend au lac Meech. C'est pas un tronçon de mortalité, mais c'est un tronçon de présence de tortues sur les routes, donc il y a un risque de mortalité quand même assez élevé. La carte en haut à droite, c'est le boulevard des Allumetières. Donc, il y a eu des tortues sur les routes, des tortues mortes qui ont été observées là. Et en bas, c'est le chemin Eardley-Masham. Donc, évidemment, quand il y a des milieux humides de chaque côté de la route, quand on sait qu'il y a beaucoup de tortues mouchetées ou même de la tortue serpentine, de la tortue peinte, c'est, selon moi, une évidence qu'il va y avoir des traversées de tortues. Les gens vont observer des tortues sur la route. Ce qu'on va faire avec ces données-là, c'est qu'on les partage à d'autres organismes de conservation, au gouvernement provincial, fédéral, pour s'assurer que les données soient utilisées pour mettre en place des actions, par exemple des passages fauniques, des choses comme ça. Voilà. It's the question for Caroline. Questions for Caroline, and actually, we'll open up the floor for any of our panelists again if you have questions. I have one question. I think you mentioned at the end of your presentation, in England they had a similar problem with, I think it was newts and frogs, and they identified those areas where there were a lot of mortality, where they spent the money to put in guiding gates or fences, and then a low bridge to force the animals to go that way to cross into other areas where there's ponds or food or... Mm-hmm. Is that a possibility for some of these places, maybe on NCC property, where... It would sort of behoove us to do that kind of thing. It's actually the best option, like eco passages that we call them. Usually we use the culverts that already are present under the road, and the idea is to connect a fence to that culvert to direct the turtles or other types of habitats. And there are all different kinds of initiatives all over Canada, from East Coast to West Coast, especially in Ontario. I've seen some on the side of the highways. Nature Conservancy of Canada just bought a property this year to create an eco passage. From one side of the highway to the other. So it really is the best solution to divert either the turtles or the other animals to go under the road or over the road to prevent collisions and mortality. Just to add, I'd just like to add that. Mike. Just to add to the previous comment that the NCC, with partnership with the City of Ottawa, was able to install about 3 or 4 kilometers long of wildlife fencing along Oldrichen Road and Moody Drive. It's being constructed as we speak, so if you drive down those areas, you'll see the wildlife fencing, and you'll also see 7 eco-passages that are being built there too. So we'll have a total of 7 eco-passages and 2 culverts connecting Stony Swamp together. Terrific. Bravo. Okay, one last question. Go for it. I've participated in Frog Watch. Was that Nature Conservancy, or is there one like that for turtles and other amphibians? And we launched a Frog Watch, I think it was 2 years ago. Yeah. And we had a few people have like different routes where they visited and then heard the sounds. It could have been with the Ministry of Wildlife as well, because okay. They have like call routes. So there are different initiatives everywhere. As long as you participate in one, that's fine. Yeah, I guess it'd be nice if there was a site, maybe a Nature Conservancy, would point to, let's say, the bats. The Quebec has a program for tracking bats. There's one for turtles, I think, on the Quebec side. We track map turtles in Hudson because there's quite a few there because there's still some green areas with sandy beaches and stuff. Mm-hmm. But it'd be nice if you could find one place where you could go to all those things. For sure. Just watch our website. We will publish an invitation around probably March or April to have that sort of outing, and then we'll inform you about the different possibilities.
Go ahead. Alors, merci pour toutes les présentations et les recherches. C'était très bien. I was very impressed by what you guys had looked at, but I noticed that there was a lot of gaps in some of the things you were looking at. In order to fill in more of these gaps, is it a question of more money being put into research or just more time required or more participation from the public? I know loaded in the sense that everyone would always love more funds to do more work, but... Both, but first one. Okay. Oh, easy. It's very difficult to find funding for this kind of research, and each time it's very low amount of money. And that's actually why I started the Capital Nature project, which is co-funded with donations. Because some of those projects are very difficult to get funding, so we are not able to do the research, but with the people and the participative research of people, we could do like survey for almost nothing, mm-hmm. and try to get information data on those subjects. But still, it's the big problem. Another key answer is probably partnership. So by yourself, it's really difficult to do something on your own. But with different partners, so you pull together all your resources, it gets easier to go forward with conservation or scientific research. Sorry, just one quick edit. Does that end up compromising the quality of the research you're doing if you have, you know, like I have to rely on some citizens here and then maybe I'm funded every 3 or 5 years or something and I'm trying to amalgamate this together? Does that make too much of a patchwork and hurt some of the data you're getting? I would not say too much, but it's slowing down the research, and we do the best we can with the money we have. So we did, like for our case, only 6 sites in the urban environment, which means 4 places at each site. We expected to add some more in the future. I don't think the result will be completely different, but we could capture some heterogeneity and some other result with these additions. So it's, and we only do like the survey of 2 types of green infrastructure, and we could like add some more. We decided to do only 2, but in a nice way. So. Merci. Bonsoir, j'ai une question. Il y a bien des années, j'avais visité une écloserie de homards, parce que les homards n'ont pas un grand taux de succès non plus au niveau de leur reproduction naturelle. Puis il y avait des gens qui avaient développé, dans le fond, les techniques pour les faire grandir en écloserie, puis après les remettre à la mer. Et ils ont eu un grand succès avec ça. Est-ce que c'est même envisageable pour des tortues? La reproduction en captivité se fait généralement pour des espèces qui sont très en péril. Donc, on le fait en ce moment, je dis « on », je parle des biologistes en général, le font pour la tortue molle à épines, dans le fond, qui est une espèce pratiquement endémique dans une certaine région, là, proche des États-Unis, le lac Champlain. Puis, c'est fait parce que, dans le fond, il y a des problèmes même avec les sites de ponte qui peuvent être inondés. Donc, ils ont besoin d'un coup de main supplémentaire. Pour les autres espèces de tortues, c'est qu'on n'a pas encore des mesures de population. Dans le fond, étant donné que le financement est limité, on travaille plutôt sur les menaces. Donc, les menaces qu'on connaît, destruction d'habitats. Donc, on essaie, nous, Conservation de la Nature, de protéger des habitats, des noyaux de population, ce qu'on fait avec succès. Puis, dans d'autres cas, mais on travaille sur la mortalité routière. Il y a des choses qu'on peut faire avec soit le ministère des Transports, avec les municipalités, d'autres organisations. Donc, on concentre plus nos énergies sur atténuer les menaces ou protéger les acquis, plutôt que de mettre des ressources sur des programmes qui sont souvent très
coûteux, mm-hmm. mais on le fait dans des cas plutôt extrêmes. Okay. And I know, just to add to that, I do know that some municipalities and some conservation authorities do have programs where, for instance, if there's turtles laying eggs on the sides of roads and are in danger of having poor success, then they will collect those eggs and incubate them and then release the turtles into areas that they're going to do a lot better. So there are some programs that's kind of patchwork around the place that do not necessarily breed the turtles for releasing, but they will collect eggs from certain areas and hatch them. But. Go ahead. Yeah, I just had some questions about the Blanding's turtle. I used to work in Kejimkujik National Park in southwest Nova Scotia, and they had a program there where they would help hatch out the eggs. And I guess that was a disjunct species there. It was just that one little pocket of southwest Nova Scotia that had the turtles. That was 24 years ago, so I'm not sure if they're still around. And, I guess a big problem was predation from raccoons. And another thing I was wondering about, have you found there was a problem with, people, like killing off Blanding's turtles? Let's say, I guess certain people would have an interest in not having them in a habitat. Let's say the developer, if they wanted to develop an area, because I guess if they're in the area, then I guess you might have to do a recovery plan, and then that might prevent that area from being developed. So I don't know if you've heard about the... So there's always that possibility, but from the research that I've done, I haven't actually encountered any specific cases of Blanding's turtle being purposely killed off to get rid of it from an area. But of course, that possibility does exist. A lot of the time, a lot of the wetlands, people mostly don't know whether Blanding's turtle are there or not. So in certain areas where, say, a development might go through, it's hard to know beforehand, before you actually start doing some searching, whether Blanding's turtle are actually present. And just to the population in Kejimkujik and National Park is still active and going strong, and it's not a subspecies, same species, and it's just a disjunct population that would have probably have from the last glaciation have just had once the glaciers have retreated, it would have just migrated to that area over time, and it's been isolated since. I'm just wondering if you knew if there was any Blanding's turtles in there was an area that was suspect around the Ottawa airport on NRC land there. We did do sampling of a lot of wetlands in that area, so we're going to find out eventually once the results are in, but I did a lot of visual surveys and didn't find anything, but that's not to say they're not there. We'll wait for the DNA results. So I'm just wondering, when an endangered species is found, if it's listed under SARA, like Species at Risk Act, do they have to put in a recovery plan? Recovery plan is in place for, they put in a recovery plan once a species at risk is considered a species at risk. Mm-hmm. But if a species is considered or is newly found in an area, they might designate that critical habitat for that species, and some extra protections might be in place. But finding one or a Blanding's turtle in one specific location, I don't think would change any recovery plans. It would just add some critical habitat potentially. Yeah, so is there recovery plans, let's say, in the Ottawa area? Or? As far as I'm aware of, I mean, the Species at Risk Act does have a recovery strategy for Blanding's turtle, which includes the National Capital Region and all of Ontario and Quebec, as well as the Government of Ontario has their own recovery strategy for Blanding's turtle. But as far as I know, there's no specific plan for the Ottawa area. Again, a lot of the data is lacking on exactly where they're found, so it's hard to pinpoint exactly what the locations are for a recovery strategy. And I used to work in an environmental office for a federal agency, and I found that the upper management didn't like for endangered species to be found because that would cause problems, management problems. So, so I guess there's sometimes a problem where they would want to hide the presence of a species. So I guess that's probably common, let's say, for development as well. So, well, I guess especially for Blanding's turtle, where it's a species that's one of the threats is collection for pets and mm-hmm. stuff like that. So it's typical that people won't divulge the exact locations of them just mm-hmm. so it protects the species from people mm-hmm. who collect them. But.
Okay, very good. Thank you. Any other questions? Autre question? Bon, so on that, I'd like to really sincerely thank Madame Gagné, Monsieur Delagrange, and Mr. Fison for really some excellent presentations, I thought, this evening. Very interesting facts related to green infrastructure and a lot about turtles tonight and frogs, little green critters. So that's, thank you very much. Donc, les connaissances scientifiques solides fournies par ces chercheurs, et donc tous nos chercheurs, outillent les biologistes et les gestionnaires de la CCN pour prendre des décisions éclairées dans le cadre de leur mandat de protection du parc de Gatineau, de la ceinture du verdure et des terrains urbains. These research results also help the NCC in its mandate for the long-term planning of federal lands in Canada's capital region. Nous avons pour objectif que les terrains de la CCN puissent témoigner de l'étendue de la richesse des milieux naturels au Canada pour les générations présentes et futures. Today we also met with a bunch of other researchers, and we mentioned we have about 60 a year who came this afternoon and who work with us year-round for their excellent collaboration and the contributions that they make, and we wish them every success in their future endeavors. And lastly, enfin, merci beaucoup de vous être déplacés. Je sais pas ce qu'il fait dehors, mais plutôt c'était pas beau du tout. Donc vraiment merci de vous être déplacés. We really hope that you enjoyed your experience here tonight, here and online for those who didn't make it. And if you have any questions or comments, please contact our client services. Donc encore merci, bon retour à la maison. Thank you and safe travels. But before, we have to thank our researchers again with some beautiful boxes. I think they're all the same. Thank you very much. They look very nice. Thank you. Thank you. I guess I'm pretty good.